Quel enthousiasme ce soir, c'est fou comme le public m'adore. Oh, on est fan au point de me suivre en coulisses pour avoir un autographe. D'accord, mais ça va être très cher. Que j'ai trouvé votre cours sur la fusion froide passionnant. J'ai adoré, monsieur Roberts. Puis-je nettoyer ces tubes à essai pour vous? Merci, vous êtes adorable, Sam. Avoir une élève qui s'intéresse autant à la chimie est un véritable bonheur. Salut, Sam. Alors, c'était vrai quand t'as dit que tu irais parler à monsieur Roberts pour te faire bien voir, ça marche? Oh, mais quelle coïncidence. Moi aussi, c'est mon film préféré. Tu le crois, ça? J'adore le moment. Clover, oui. C'est lui le garçon que tu trouves super et qui te fait craquer? Ah, c'est vrai qu'il est aussi mignon que tu nous l'as décrit. De quoi tu parles, Alex? Tu sais, elle est folle de toi, elle nous dit tous les jours. Allez, j'y vais, les amoureux. Salut, je vous laisse recouler. Ah, merci, hein, t'as tout gâché. C'est incroyable, ce manque de discrétion. Tu sais pas garder un secret. Bien sûr que si, je sais. Je suis muette comme une limace quand on me confie quelque chose. N'importe quoi. Tu te rappelles pas qu'on a dû annuler une fête parce que t'es allée en parler aux voisins? Et quand t'as répété à mon prof de littérature que j'avais copié toute ma disserte sur le net? C'était pas ma faute. La preuve que je sais garder un secret, c'est que j'ai jamais dit à Sam que c'était toi qui avais perdu son CD préféré. C'est vrai, non? Attends. C'est toi qui as perdu mon CD? Perdu? Non, je l'ai prêté à un garçon. Il y a eu un fâcheux concours de circonstances et... Oh, des poussettes qui se promènent toutes seules. Oh, les copines, regardez comme ils sont mignons, les triplets. Bienvenue, les Super Spice. Alors, comment avez-vous trouvé les bébés de la garderie du Whoop? Pas très souriant, mais en tout cas très calme. Oh, votre nouvelle cravate est superbe, Jerry. Vous avez vraiment du goût, j'adore. Ah, je ne suis pas surpris. Je suis arrivé second au concours de l'homme le plus chic de Liverpool. Mais Sam, tu dis toujours que la façon dont Jerry s'habille est atroce. Aïe. Alors, pourquoi vous nous avez fait venir? Pourquoi je vous ai fait... Ah oui, voilà. Il se trouve qu'un mystérieux individu s'en prend à des gens du spectacle. Pour une raison que l'on ignore, il s'attaque uniquement à des artistes, hein, tels que des chanteurs, des comédiens ou des magiciens. Waouh, il est pas cool celui-là. Je vous charge d'enquêter sur cette étrange affaire. Gladys va vous fournir quelques gadgets pour faciliter votre mission. Voici des faux ongles lance-clichettes, des bottes anti-gravité adhésives, un mascara lance-filet, un rouge à lèvres caméra micro et une nouveauté, les losanges rouges chaleur extrême. Comment ça fonctionne? Pour répondre à cela, je vous offre une petite démonstration. Salle de manchot! J'avale un losange rouge chaleur extrême. Ah, dès que vous l'ingérez, le losange rouge entre en contact avec vos glandes salivaires. Il déclenche alors... Non, pas maintenant. Il déclenche? Je disais, il déclenche. Je crois qu'on a compris l'idée. Merci pour la démo fulgurante. Double avantage, le losange rouge peut faire fondre des objets et vous dégager les sinus de façon radicale. On a quelque chose à t'apprendre, Alex. C'est un ragot hyper intéressant, mais il faut le répéter à personne. Moi, oh, te fais aucun souci, je garderai ça pour moi. Allez, vite, dis-moi. D'accord, figure-toi. Sans blague. C'est vrai, ça, Gladys. Jamais j'aurais pensé... Chut, n'oublie pas qu'il ne faut rien dire à personne. Si tu ne répètes pas ce secret, tu arriveras à regagner notre confiance. Compte sur moi, je serai muette comme une carotte. La plupart des artistes ont été attaqués dans ce secteur. Oh. Le dernier incident s'est produit dans ce club. La victime est une magicienne, l'incroyable Molotov. Oh. Excusez-moi, vous êtes l'incroyable Molotov? Mais c'est quoi cette tenue et ce maquillage? Vous voulez qu'on se moque de vous ou vous considérez ça comme un petit plus? Oh là là, elle a plus de voix. Ah, vous avez câliné une chèvre et elle vous a croqué. Vous avez donné un gros sac de bonbons à un bébé? Non, je sais. Vous avez ouvert une boîte et un caméléon vous a lancé un pot de peinture. J'ai une idée. On va lui donner de quoi nous écrire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas trop. Son écriture est pas terrible. De toute façon, c'est du cyrillique. Ah bah merci, hein, ça nous aide pas. Pourtant, je sais lire. Ah, c'est
Jerry. Mademoiselle, je viens d'avoir une info. Un individu très suspect rôde dans la salle de concert en bas de la rue. Jerry, vous le saviez, vous, que Gladys... Vous saviez que les gladiateurs adoraient les raisins secs? On va avoir droit à un concert gratuit. Il nous faut une vue d'ensemble pour repérer le suspect. Yeah! Et avec moi ce soir, public! Yeah! C'est génial, j'en viens pas. Je suis à un concert de Valette. Il est pas à tomber. Celle-là, je vais la coller dans mon placard au lycée. On est venu pour trouver un suspect, pas pour adhérer à un fan club. Attendez, je crois que je le vois. Clover, arrête de flasher et commence à zoomer. Ou c'est notre homme, ou c'est un type bizarre qui attend pour avoir un autographe sur son accordéon. D'un clown. Notre suspect est en train de prendre la fuite. Oh, là-bas. Ça m'a jamais plu les accordéons, mais si en plus ils volent les voix, c'est le comble. Monsieur Accordéon qui l'a projeté. J'en envoie au Whoop pour qu'on l'analyse. Ne soyez pas désespérées, les copines. C'est très original, finalement. Je pense même que vous allez lancer une nouvelle mode. Vous verrez, tout le lycée suivra. J'ai quelque chose qui devrait pouvoir vous aider, mesdemoiselles. Mais que se passe-t-il? Oh, je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi ridicule. Une fois passé la première impression, on trouve ça, comment dire, bien sûr, un rien excentrique. Mais ils sont très pimpants, vos uniformes. Je suis sûr que très vite, les jeunes de votre âge vont se les arracher. Non, la vraie, Sam, je n'ai plus de biscuits apéritifs. En revanche, j'ai un équipement qui vous permettra de communiquer. Tapez simplement ici les mots et ils se transformeront en son. Test vocal. 1, 2, 3. Alex dit qu'elle déteste la voix débile de l'ordinateur. Elle ajoute qu'elle préfère encore une marionnette. Qu'est-ce passe-t-il donc? Que faites-vous là? Non, c'est insensé, voyons. Mes chaussettes. Oh. Ah, la chose est plus artisanale, mais il est vrai que ça pourrait aussi marcher. Au moins, ça va être plus difficile pour elle de divulguer les secrets des autres. J'ai analysé l'échantillon de peinture que vous m'avez envoyé. Il contient de l'ADN. C'est celui d'un mime connu sous le nom de Jazz Hans. Donc c'est ce Jazz Hans qui a forcément commis ces agressions. Mais pourquoi a-t-il décidé de voler la voix des autres? Retrouvons-le pour lui poser la question. La dernière adresse connue de Jazz Hans est près d'ici. Je crois qu'on devrait utiliser nos bagues holographiques pour passer inaperçu. L'avantage, c'est qu'au moins, on n'est pas des clowns. Mais c'est encore mieux, tu es superbe, Sam. Non, rajoute pas. Il semblerait que Jazz Hand soit passé par ici. Oui, Alex. D'accord, c'était déjà limite la chaussette, mais ça c'est carrément grotesque. Oh, incroyable. Tu vois ce que je vois?
D'où vous sortez avec ces monstrueux costumes? Je t'avais dit que tu perdais ton temps avec elle. Stewart, ces filles sont nulles. Je peux savoir ce que tu fais avec lui? C'est quoi ça? C'est un beau cadeau que je dois à Alex. Si elle n'avait pas parlé de ce que tu ressentais pour lui, jamais je n'aurais pu te le piquer, Clover. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Oh non, tu nous fais peur! Arrête, je te dis! On ne vous veut aucun mal! Je vous ai toujours trouvé assez bizarre, mais là, ça devient très inquiétant. Je suis navrée, Clover, mais je pourrais jamais sortir avec une fille qui a des amis aussi étranges. Merci, Alex. Non, c'est pas le moment d'avaler une glace au nougat. On est ici pour trouver la maison du voleur de voix. Les filles, devant nous. C'est sûrement ici. Il projette les enregistrements de ses spectacles. Eh ben, il s'adore celui-là. Il n'a pas l'air très apprécié. Et d'une, il est nul. Et de deux, c'est un peu spécial, un mime qui joue de l'accordéon. Oh. Apparemment, il a un problème avec les autres artistes. Il doit en être très très jaloux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez une danseuse qui a du sel dans les yeux? Vous avez toujours rêvé d'être laveuse de vitres? Vous voulez vous acheter une lampe dans une brocante? Jazz Hunt! Vous ne savez pas mimer, dommage pour vous, ça vous aurait aidé. Ah, étonnant! Je pensais que les mimes ne s'exprimaient que par gestes, non? C'est une idée dévalorisante que les médias font courir sur les mimes. Bien sûr que nous avons le droit de parler en dehors de la scène. Pourquoi aurais-je acheté un téléphone si j'étais muet? C'est ridicule. Pourquoi aurais-je gaspillé de l'argent? C'est bon, merci, abrégé. Ne me traitez pas de cette façon. Je suis le plus grand mime du monde. Respectez-moi. J'ai obtenu le diplôme de l'Académie internationale des mimes. Ce n'est pas rien. Même si vous étiez indifférente aux difficultés et au charme de ce métier, je veux que vous soyez différente envers moi. Il ne se contente pas de mimer l'attaque. Je suppose que vous êtes contre une petite discussion tranquille. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que personne ne mettra en échec le pouvoir du mime. Bon, d'accord. Une chose est sûre, je le trouve pas drôle du tout. Un mime n'est pas forcément drôle. Non, cela repose sur l'art du mouvement subtil, la communication sans le recours au verbe. C'est communiquer avec les autres sans mots. Vous apprendrez à en apprécier toutes les nuances. Après ce discours d'ouverture, il est temps pour l'artiste de vous prouver son talent. Venons-en au clou du spectacle. La boîte invisible. Très bien, à titre d'information, qui est claustrophobe à part moi ici? Oh, n'espérez pas sortir de cette cage. Inutile de chercher une astuce. Ce dispositif est à la fois très simple et ingénieux. La boîte invisible est bien plus solide qu'elle ne le paraît. Pourquoi faites-vous ça? La famille du spectacle ne m'a jamais admis comme artiste parce qu'elle ne comprend pas mon génie. En représailles, je vais réduire le monde entier au silence en volant toutes les voix. Ainsi, chacun réalisera à quel point il est difficile d'être mime. Que tout le monde ne peut pas être mime. Il faut être doué. Je le suis, moi. J'ai la vocation. Je pensais pas que ce serait possible, mais je déteste les mimes encore plus. Je suis fake. Il faut sortir de cette boîte avant que l'air manque et qu'on étouffe. Je crois que j'ai trouvé un moyen. Aidez-moi à balancer cette cage d'avant en arrière. Maintenant, il faut vite capturer ce Jazz Hand, sinon tout le monde va se retrouver en tenue aussi monstrueuse qu'elle est vôtre. Ah, ça m'a échappé. Si j'étais un mime, j'irais dans quelle direction? Quelle horreur!
Comment je peux même le supposer? Vous vous êtes toujours moqué de moi. Et maintenant, je me moque de vous. Écoutez. À vos sacs à dos jet propulseurs. Allez, Sam, occupe-toi de cette tête enfarinée. Oh, pardon, ça m'a échappé. Oh, je vois que ça ne s'arrête pas. On se moque encore de moi. Cela dit, c'est naturel. Tous les grands artistes endurent ça. Leurs contemporains ne reconnaissent pas leur talent. C'est fini, Jazz Hands. Ta carrière est terminée. Tu descends au prochain arrêt. Vous vous trompez. Nous avons des ressources, nous les mimes. Nous vous réservons des surprises de taille. Nous sommes silencieux, mais teigneux. En tout cas, quand il a dit tes dieux, il s'est pas vanté pour rien. Apprenti mime, éliminez-les. Attends une seconde, regarde ça. Je mime quoi, là? Ben, il l'a mal pris. Assez rigolé, faux ongles fléchettes. Gladys, il y a deux méchants mimes à récupérer. Je vous donne les coordonnées pour les localiser. Et si vous croyez que je vais laisser trois jacasseuses ruiner mon plan, vous rêvez. C'est la fin du spectacle, Jazz Hands. Vous croyez que les mimes renoncent? Quelle erreur! Ils parcourent la Terre pour égayer et distraire leur fidèle public. Attends! Personne n'est aux commandes de ce dirigeable. Merci, Sam. Je l'aurais pas deviné sans toi. Que se passe-t-il, jeune fille? Vous n'avez pas l'air d'apprécier ma performance. J'ai l'habitude. Malheureusement, vous n'aurez pas la chance de me voir dans tous les autres numéros, car vous partez à l'entracte. Cramponnez-vous, laissez les mimes régner sur le monde. Oh, ils méritent même pas qu'on se donne la peine de répondre à ça. On va pas tenir longtemps comme ça. Il faut trouver un plan. Oh, c'est injuste! Vous avez tort! Ce que vous avez dit m'a blessé! Hein? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Voici ma contribution à votre dernière performance. Je m'évaderai de la cellule! Jamais vous n'arriverez à me garder en prison! Vous vous trompez si vous croyez que vous réussirez à m'arrêter! Alex, un peu de silence nous ferait du bien, non? Bon travail, les Super Spies. Maintenant, Jazz Hands va pouvoir perfectionner son art. Il en aura le temps au centre de détention. Merci, Gladys. Je suis trop contente d'avoir retrouvé ma voix. Fort heureusement, nous arrivons à inverser les effets qu'a produit Jazz Hands en manipulant avec précaution son accordéon. Gladys,
il faut que je sache tout. Ça y est, vous sortez avec le photocopieur de Jerry? Mais de quoi parlez-vous? Tout le monde sait que vous avez craqué pour le photocopieur et que vous voulez pas que Jerry le sache. Je trouve cette histoire adorable. Alex, ça c'était un secret. Qu'est-ce que tu veux? Tu nous laisses pas le choix. Oh, je suis partie tout seul et j'ai pas fait exprès. Donnez-moi une autre chance. Mon photocopieur. Oh, je vous en prie, au travail, nous n'avons pas le temps de penser à la romance.